Bienvenue, fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Il ou elle a perdu l'intérêt pour toi et tu veux le récupérer et le rendre à nouveau obsédé par toi. Vous voulez qu'il replisse à nouveau son cœur d'amour et de passion pour vous. Alors n'attendez plus, faites ce rituel. Rappelez-vous que votre amour et foi activera ce travail. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification afin de recevoir les informations qui te seront utiles. Il te faut les premières urines du matin, tes premières urines à toi du matin. Ok? Un citron vert. Un plat creux de ce type en terre ou encore de ce genre. Ok. Un des deux. D'accord. Un papier blanc. Du bic rouge. Du sucre roux. Une bougie rouge ou blanche ou rose. Celle que vous avez sur la main. Bien. Alors, prenez votre papier comme ceci. Vous allez le passer sur le vase qui contient vos premières urines du matin, c'est-à-dire où vous avez fait pipi le matin. Vous allez le passer comme ceci. En tournant sur tous les côtés pour personnaliser le papier, car ça serait la base sur laquelle nous allons écrire tout ce que nous avons besoin. En continuation, vous allez venir ici écrire sur le haut du papier le nom de l'être aimé. Exemple, moi je vais mettre Carlos Gomez. Carlos Gomez. Ensuite, tu vas venir ici écrire sa date de naissance. Si tu n'as pas la date de naissance, imagine qu'il peut avoir 30 ans, 40 ans et tu mets. Moi, je vais mettre comme exemple le 2 décembre 1982. Ok? Toi, tu mets la date de naissance que tu penses dans ce cas. Si tu imagines seulement, mais seulement 30 ans, il peut avoir 40 ans, 45 ans. Donc, n'essaie pas de mettre le jour, le mois et l'année comme j'ai fait. Le jour, le mois et l'année, c'est pour ceux qui ont cette date-là concrète avec eux. Et en bas, donc maintenant, vous allez venir ici écrire cette fois-ci en gros caractère. Ton nom à toi, celle qui est en train de faire le rituel pour dominer la situation. Ok? Je vais mettre ici en gros caractère. Belle Claire, bien sûr, le nom complet. Belle Claire, ce n'est pas mon nom complet. C'est le nom auquel vous me reconnaissez avec. Bien. Une fois écrire mon nom, ensuite, maintenant, vous allez venir ici écrire vos désirs, vos voeux, ce que vous voulez vers cette personne. Moi, par exemple, je vais venir ici écrire « Ne résiste plus, obsessionne-toi de moi. » « Ne résiste plus, obsessionne-toi de moi. » Bien sûr, vous pouvez prendre un papier un peu plus grand, d'accord? Ensuite, vous allez venir ici ajouter une pincée de sucre roux, comme ceci. Voilà. Ça serait pour adoucir la relation, pour le rassurer, pour qu'il reste en paix. Qu'il ne vienne pas en se battre, qu'il ne vienne pas pour se disputer, qu'il vienne avec la main devant, qu'il vienne avec sa main devant lui, qu'il vienne mendier un peu de ton amour. Donc on va adoucir son cœur avec ce sucre que nous avons mis
pour qu'il vienne s'incliner également à nos pieds, etc., etc. Ensuite, nous allons le placer au centre du plat, de notre plat creux, bien sûr, de cette manière. Tu vas le placer comme ceci. Voilà, j'espère que ça se voit. Tu le places comme ceci. Et maintenant, on va le remplir d'urine. Pas trop, trop, trop d'urine, mais à ce qu'elle déborde. Elle mouille bien notre papier. C'est ça l'idée. Notre ADN, notre flux corporel, elle donne encore plus de pouvoir à notre rituel. J'ai bien dit, nos premières urines, tes premières urines du matin. Maintenant, vous allez venir ici là prendre le citron que vous allez le couper en deux. Je vais diviser mon citron en deux parties, comme ceci. Faites-le soigneusement, coupez-le avec tranquillement, d'accord? N'oubliez pas que les sorts ne doivent pas se faire à la hâte. Elle doit se faire avec vraiment d'amour, pas de désespoir. Je sais que vous désespérez, mais pendant que vous le faites, ne désespérez pas, ne vous précipitez pas. Prenez vraiment le temps, c'est pour vous, c'est le moment de faire sortir cet amour-là que vous ressentez pour cette personne et le plaquer sur le rituel que vous êtes en train de faire. Soumettez du désespoir, de l'angoisse, tout ça là, ce sont des énergies négatives que vous apportez à votre rituel et elle ne va pas fonctionner. Restez gai, restez la tête vraiment joyeuse. Imaginez vraiment, imaginez cette personne-là dans vos bras. Ne vous pressez pas comme j'ai dit. Alors, tu vas presser ton citron lentement, mais avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination. Pendant que tu dis cette phrase magique, j'enlève tout mauvais sentiment que je peux voir dans notre vie. Ensuite, que je peux voir dans notre cœur, pardon, dans notre cœur ou dans notre vie. Ensuite, tu vas récupérer le deuxième morceau. Cette fois-ci, tu vas dire, j'enlève toute votre fierté et élimine tout malentendu qui peut exister dans notre relation. Ok? Tu fais ça, je vais répéter pour que vous puissiez mieux entendre. Le premier citron, la moitié du citron, tu vas prendre et tu vas dire, j'enlève tout mauvais sentiment en le pressant lentement. J'enlève tout mauvais sentiment que je peux voir dans notre cœur. Ensuite, tu prends le deuxième morceau du citron, tu dis cette fois-ci, j'enlève toute votre fierté et élimine tout malentendu qui peut exister entre nous. Ok, ensuite maintenant tu vas venir laisser ton citron, tu peux le laisser à l'intérieur ou tu peux le laisser tout simplement de côté. Tu vas mettre tes deux mains de cette manière-ci. Je vais faire comme ceci pour que les têtus là puissent mieux comprendre. Tu vas mettre tes mains de cette manière, tes deux mains pour donner plus de force et personnaliser ton rituel et tu vas dire ceci. Tu ne pourras pas vivre sans moi, sans la tendresse de mes lèvres, sans la chaleur de mes bras, sans la protection de mon âme. Désormais, tu es complètement obsédé par moi. Je répète, tu vas mettre ensuite tes deux mains et tu vas dire ceci. Tu ne pourras pas vivre sans moi, sans la tendresse de mes lèvres, sans la chaleur de mes bras, sans la protection de mon âme. Désormais, tu es complètement obsédé par moi. Ok? Bien. Tu vas prendre une poche blanche que j'ai oublié de mentionner au début, ou une poche transparente type, de ce type que vous avez pour l'instant sous la main. Elle peut être transparente. Du noir, non. Du gris, non. Ok? Blanche, transparente, autre couleur, mais je dis bien du noir, non. Du gris, non.
Vous allez venir mettre votre rituel à l'intérieur comme ceci. Et puis attacher la poche en plastique. Vous allez l'attacher. Ça, c'est pour éviter que les odeurs ne s'échappent. D'accord? Vous l'avez attaché comme ceci. Vous allez garder sous votre lit pour 24 heures. Je dis bien sous votre lit pour ceux dont le lit n'est pas ouvert en bas. Vous le déposez juste à côté. Il n'y a pas de miracle. Vous le déposez juste à côté que de venir me poser la question. Vous le déposez juste à côté. Bien, passé ce temps, tu viens détacher ton rituel. Tu récupères ta tasse. Comme ceci. Ce papier-là, cette poche-là, tu le jettes à la poubelle. Ok? Ça, qui est ton rituel, tu iras l'enterrer ou le verser sur terre. Quand je dis verser sur terre, ça veut dire là où il y a la terre. Ok? Tu iras le verser sur la terre où tu l'enterres comme tu vois. Là, c'est à ton choix. Ton assiette, tu le laves proprement avec du sel, tu le ranges. Ton plat également. Ok? Et voilà. Tu n'aurais plus qu'à attendre que ton amoureux te revienne. Rappelle-toi que avec amour et foi, tout est possible. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale belle.